Salut tout le monde, alors vous le savez, j'ai l'habitude de faire des Bedwars May, c'est-à-dire qu'en gros il y a un twist, il y a des trucs qui se passent dans tous les sens, sauf que là, celui-là il est assez spécial, parce qu'en fait je leur ai fait croire qu'il y en avait un comme sur toutes les autres vidéos, mais en fait il n'y en avait pas. Voilà, abonnez-vous. Tiens, une vidéo, dis donc, ça fait longtemps. Clap, bonjour. Alors, Bedwars, mais le KB, il est inversé. Premier qui casse son lit, il a gagné. J'ai gagné. Il y a un gros twist. On peut casser son lit. Toujours pas. On m'a dit qu'un jour, cette vidéo arrivera, hein. Oui, un jour, t'inquiète. Elle arrivera un jour. Je me suis sacrifié. Non, mais en vrai, oui. Bien, merci de t'être sacrifié, mais je crois que ça n'a rien fait. Ah bah, c'est ça le remerciement, là, multicore. Non, mais en fait, j'aurais passé le bug dans tous les cas, donc... Regarde, si je saute... Ok, mais... Il dit ça pour qu'on remarque. Oh là là, mais la honte, multicore, si je serais toi, j'arrêterais ma chaîne. Non, mais d'accord. Non, mais oui. Bedwars, mais le top est un ascenseur. Bonjour. Et apparemment, il va à ma base moi. C'est pas ça le concept. Bedwars, mais il y a ce passe à la base de la top. Du coup, la top, il devrait rentrer chez lui plutôt que de casser mon lit. Désolé, la top. Mais gâchez ta vidéo, la top. Mais je sais pas jouer ou ça se passe comment. Mais. Non, mais. Pas grave parce que je vais casser celui de multicore. Bah ça m'arrange hein, moi je dis pas non hein. Pour l'instant y'a aucun twist hein, vraiment. Franchement c'est une belle game de Bedwars bien basique. La partie elle va se finir avant qu'on trouve un twist. Non mais... Elle est longue cette introduction quand même. J'essaie de comprendre le concept là actuellement là. À chaque abonné on meurt. C'est pour ça qu'on meurt pas. C'est normal. À chaque vidéo ça se passerait qu'on meurt, bah pourquoi on meurt en boucle. Putain, mais vous l'avez pas encore trouvé. Mais donne-nous un indice au lieu de te plaindre. Mais j'ai pas réfléchi à un indice, moi. Indice, ça ne s'active pas par une interaction avec un autre joueur. Quand on fait un truc, ça fait un machin. Est-ce qu'on peut faire respawn les lits? Non, en les craftant. Ah, ce serait drôle un jour, hein. La pomme d'or a cramé ma couverture. Un demi-cœur. Pour l'instant... Je sais ce que c'est, mais je n'en ai pas abusé. Tu peux en abuser juste pour qu'on se rende compte. Non, non, on n'abuse pas sur moi en tout cas. Pas de recherche. Juste abuser de mon skill. Oh le seum. La top, tu peux nous faire l'espion là. Un peu regarder s'il est. Bien sûr. Alors là il est à sa base, là il pose des blocs, ok. Il vient de manger une pomme. Oh pute. Il prend du KB, donc il n'a pas d'anti-KB quand il mange une pomme. Il va me tuer, je suis en vie, je crois. Non mais... Bah mais là multicore là, je te propose qu'on fasse un pack de agressions jusqu'à ce qu'on trouve. Alors non, vu que j'ai envie de te tuer, vu que tu es le dernier survivant. Je crois que tu crois pas que t'es mort là actuellement. Moi je suis mort, je suis trop fort au jeu. J'ai un beau palmarès, j'ai battu Natop. Je vais me faire tuer en vrai, hein. Je suis totalement mort. Et j'ai mais deux t'es coeurs, super nul. Oui bah hein, j'ai essayé. Bah let's go, j'ai gagné. Sans avoir rien compris. Bon, d'accord. On sait toujours pas ce qui se passe. Bon alors, Xem à sa base, il fait rien de spécial, je crois. Est-ce qu'on peut casser son propre lit? Non. Est-ce que c'est un truc nul ou est-ce que c'est un vrai truc qui va changer à fond la game? C'est pas un truc qui change la game de fou, mais si on l'utilise correctement, ça peut. On peut faire spawner un cheval, slash cheval. Il faut penser à des trucs plus simples à multi, hein. À 6D, à vous tout. Faudrait aller le stalk à sa base, je sais pas. Non, mais en fait, le but, c'est que, bah, en fait, y a pas de twist et tout. Ouais, trop, n'hésite pas à faire un triple saut pour casser mon lit. Oh pute! Bah, je vous propose qu'on fasse une deuxième game bien nulle où personne comprend le concept. Voilà, ça va être marrant. Voilà, très bien. Bah, vraiment, bah, j'ai détruit le lit de Xem. Ah, ok, Xem, je te tue pas si tu m'avoues. Ok. Je laisse ta base vide. Oh là, le concept est ouf. Mais wesh, mais attends, je vais le spammer. Non, je peux pas vous le dire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça va rien changer à la game, c'est grave cheaté. Mais j'ai dit que si on le sait, bah on peut quand même bien changer le cours de la game. Mais j'ai pas en profité parce que tant qu'ils sont pas là, enfin tant qu'ils le savent pas, ça peut être trop cheaté pour nous sinon. C'est quelqu'un de malhonnête, c'est la personne qui me fait ça là. Allez. C'est quoi ce truc de pro là que t'as fait? Alors ça par contre ça va être ma base. Quoi il peut lancer des TNT? Attends quoi? Non ça c'est Natop qui est comme d'hab qui fait n'importe quel TNT. D'accord. c'est juste Natop. C'est drôle parce que quel que soit le concept, Multicore fera une grosse réaction. Ouais c'est ça. Quoi on peut faire apparaître des chats mais c'est trop bien. Non mais je vois pleuvoir des TNT. Je me dis il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Genre clic droit avec une épée ça fait des TNT. Acidé, est-ce que je le spam ou ça c'est bon? Ouais tu peux. Tant que ça se voit pas, enfin tant qu'il le voit pas, tu peux. Bedwars mais il y a une machine à laver, c'est ça et genre on... si on la... Mais bon, j'ai l'impression on accélère à chaque fois. Natop vient de m'envoyer un DM. Bah, on sait jamais, hein, peut-être. On va faire la devinette, hein. Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est un être vivant?
Pourquoi il a mis un plastron en diamant? T'avais un truc en diamant, non? Mais qu'est-ce que bah... t'as fumé, multicorps? Bah quoi? Mais comment il a fait? Attends, quoi? Mais qu'est-ce qu'il... pourquoi il l'a pas sur lui? Attends, quoi? On peut crafter des trucs en diamant ou... qu'est-ce que ça veut... mais qu'est-ce que... mais c'est... ça change rien en plus. Genre c'est nul. Mais qu'est-ce que... peut-être qu'on peut crafter. Non, bah non. Je... quoi? Je peux pas te dire le concept. Je peux pas te dire le concept. Mais crois-moi, tu peux te mettre vraiment bien si t'en abuses. Voilà, là t'avais juste du stuff normal. T'avais juste des machins en diamant dans la main. Après, si c'est ce que j'ai dans la main, t'imagines pas ce que j'ai dans mon cœur. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oh, easy the top. Oh merde. Là, ah, il plus personne à le lit, yes. Ah putain. Mais comment tu savais que j'étais là? Bah je sais pas, je suis parti au pif et t'étais là. Tu peux crafter, il y a des tables de craft quelque part. Mais quoi? Tu peux faire un pantalon? Non. Eh, hey, maintenant que je suis mort, je peux savoir aussi ou pas du coup? Non! Vas-y, dis-lui! Attends, y'a une autre game ou pas? Est-ce qu'il y a une autre game? Non, y'aura pas d'autre game. Non, Natop, on te laisse 5 minutes pour essayer de trouver le concept et si tu trouves pas, observe-moi, Natop. Mais c'est sûr, je vais être le seul à pas savoir vraiment. Bon, les mecs, là j'ai fait des trucs bizarres pour faire croire à Natop que le concept est bizarre. Moi ça se passe bien dans ma game. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Explique-moi la top. Ok là les mecs, assez idée, il m'a mis en mode créatif. Je me suis give un maximum de stuff bizarre pour leur faire peur. Étant donné qu'il n'y a pas de concept. Oh, t'es où multi? Je sais pas, moi je vais pas dire où je suis, t'as des trucs de... t'es en game mode créatif avec des plastrons en diams. Regardez le gars, il a des barrières blocs, non mais c'est bon. Viens te fight là. Ah, j'aimerais bien si vous étiez... pourquoi vous faites une team tous les deux là presque, j'ai l'impression là. Non, enfin... pourquoi il a de la lave? Non mais il est vraiment créatif, il a vraiment genre, il a un PNJ magique. Non mais faut dire le concept et on fait une game où tout le monde a le truc. Non Nathan. Bah si. Bah, oh non. Ah. Non mais comment tu veux que je te tue comme ça? Non mais là je peux juste rien faire, en vrai je peux quand même te tuer parce que je suis trop fort. Mais moi je sais pas, je suis bloqué. Au secours. Mais j'ai fait la technique, je vais faire la technique, attends. C'est bon. J'arrive même pas à te frapper, c'est bon. Ah, bah voilà, fais ta technique. Non. Mais si, t'étais run merde. Pourquoi tu m'as mis en game mode survival à ce moment-là? Bah je sais toujours pas comment vous avez fait pour mettre en créatif. Vous voulez qu'on fasse une game supplémentaire? Oui, où je vous mais dis... tu nous expliques. Voilà. D'accord, ok. Alors je vous le dis, une fois que la game commence, d'accord? Je peux leur dire. Attends, ok, une fois que la game commence. Ok, du coup les mecs, j'ai vu le concept. Il est hyper simple, il y a une danse spéciale à faire. Et lorsque vous la faites, vous passez en créatif. Pendant une durée limitée. Pensez à une danse spéciale dans Minecraft. Bah, tu fais un dab. Je sais pas. Tu lui restes en sneak 5 secondes. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Tu regardes le ciel en te mettant en sneak et en cliquant et en tournant. Bon, les mecs, en vrai, je vous ai dit n'importe quoi. Hein. Bah, y a pas de en fait, le concept, c'est qu'il y a pas de concept. Non mais dis-nous comment on se met en créatif. On peut pas se mettre en créatif, c'est... pour se mettre en créatif, faut envoyer un message à 6D. C'est le seul moyen de se mettre en créatif. Ok. Mais lui, y'a rien. D'accord. Y'a rien du tout, y'a vraiment juste des moments où j'ai des modes à space. Voilà, juste pour me vous faire peur, j'ai dit de me give des armures bizarres. Non mais ok, super fun.